Tangan patay. Pat patay. Pat patay. Tangan. No. Pat tay. Patay. Tangan may tangan. Patay lo. Ani may mi ah. Tukon tukon na mu. Panin. Patay patay sang dai ka ta tham hai da mai mai yam khom ma ka. Ah ka bok. Ah ko chai ko chai. Ni phalang shop. Patay patay. Lan thobo doi na ka. Lan thobo da. Mais pas là, c'est une semaine, 100 après Tamran, Tinka au ban. Allez, la cuisine, regardez comment c'est bon. Ça c'est aroi. Ani panin, pa. Ani pam kung. Kung, ai ne tao ha, khaw ne tao ngi. Ah, tao. Regardez. Elle y est. Allez, vas-y, fais ta photo. Voilà, c'est bien d'avoir. Mais pas là, ta mère, soi, mais pas là. Ça va, dit, quand tu es ok. Pour une quand tu es aussi, soi. Voilà, voilà, regardez, le calamar et les crevettes sur le barbecue. Et là, nous avons ces fameuses crevettes ici. Là. C'est excellent, c'est excellent. Regarde, vas-y. Alors, je sais que vous êtes des adeptes et que vous aimez, ils aiment voir cuisiner. C'est comme ça, c'est ils aiment cuisiner. Hein, vous allez voir. Alors, on peut faire aussi du tom yam talé avec les crevettes. Ah. Voilà. Ani pala pala. Mais voilà. Alors, donc, ça cuisine. Alors, je parlais un peu avec Jérôme. Il me disait, il y a tellement de restaurants ici que lequel tu vas sélectionner. Alors, ça fait un moment que je suis pas venu ici, parce qu'à rapport au Corona Circus, bien entendu. Ce que je fais, c'est en premier temps, je fais le tour de des cuisines. Et je regarde la propreté, bien entendu. Je regarde leur façon de cuisiner, ce qu'ils ont ici, parce que ça... En regardant et en voyant tout, on sait si ça va être bon ou pas. Ah. Et les odeurs aussi, franchement, les odeurs. Vous les avez pas, mais moi je les ai, franchement. Regardez, ça c'est bien grillé. Alors, oh là 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 là. Nous t'amènes bien. T'amènes un peu ça, non? อันนี้ต้มยำอ่ะต้มยำค่ะต้มยำรวมต้มยำต้มยำรวมมิตรทุกอย่างที่มีของทะเลทะเล on vous donnera pas les recettes non on vous donnera pas Imanao et après on va plonger à l'intérieur ces fameuses racines alors le tom yam qu'est-ce que c'est le tom yam regardez c'est ça. Le tom yam, ce sont des racines. La citronnelle, ça c'est le citron. Voilà. Et moi, je vais vous dire si elle travaille bien ou pas. De la façon, qu'est-ce qu'elle va mettre dedans. Bien. Voilà. Tamarin, hein. Home, home. Donc là, elle va faire rebouillir son tom yam. Michel, tu vas avoir faim. Et là, ça... Alors, il y en a qui sont en train de cuire sur le barbecue. Et là, c'est un tom yam. Donc, on va faire cuire ce calamar, ces crevettes. On va les faire dans la sauce qu'elles viennent de faire. Donc, le tom yam talé. Voilà. Ça, c'est excellent. Moi, j'adore ça. Pas trop piquant pour vous, mais dedans aussi, on peut mettre des champignons, des trucs comme ça. Là, je ne sais pas si elle va en mettre. Mais bon, pour améliorer le tom yam. Mais sinon, dans le tom yam, on ne met pas de champignons. Hein, voilà. Regardez. Là, elle va faire l'assortiment. Donc, salade. Moi, je me régale de faire des reportages sur tout ce qui est repas, bouffe, recettes comme ça. Et je sais que tu viens de déjeuner, tata Michel. Ah, ma mère, dans un mois, elle est là. Voilà, elle va se régaler. Le chou, voilà.
On émiette, on émiette. Tamang, tamang konjao. Wani tamang konjao, hein? Ah, pas. Ok. Donc la fille, elle est là. Et pas, et là-bas. Voilà. Travailler barbecue, ping. Voilà. C'est ça, c'est ça. Quand t'as eu vidéo, là. Si ça qui est coupé, c'est Léo, Léo, Doudou. Doudou, on y a. Doudou, Poyai. Doudou, Poyai, Poyai, ok, dis maman. Ni j'ai dit maman. Il est rap. Dis maman, dis maman. Doudou, si. Oh là là. Alors, ça, c'est du porc. Et c'est grillé. Mais j'arrivais plus à parler français, donc j'arrivais plus. Je vais vous dire qu'est-ce que c'est. Des ribes. Ribes de porc. Les côtes. L'hume. J'ai fait tourner la tête parce que je la filme, elle n'est pas habituée de, que je la filme et c'est vrai que. Luxai. Kin y a eu. Ciao. Valou, valou. Quand il y a la tante, il y a la fille. Et la fille, c'est la cousine. Ma cousine préférée. Ma cousine que j'adore. Que j'adore, j'adore. Il faut qu'elle vienne ici et elle va venir ici. Voilà. Regardez les œufs. Ça, c'est les œufs, les œufs. Voilà, ça, c'est le tom yam. Alors, on le prépare en casserole et après, on va le mettre, bien entendu. Vous allez voir si j'ai le temps parce qu'il fait très, très chaud. Franchement, il n'y a pas de ventilateur et tout ici. Bon, ils sont de partout. Il faut pas attendre, il faut pas faire attendre les clients. Il fait tellement chaud que le téléphone se met en... Ça va? Dis. Tu me fais la main. Oh, ben, Adi. Après, d'où pour y aller, c'est ma voix. Voilà, et on va vider le tom yam là-dedans. On va faire le riz canyon, le riz gluant, c'est ce qu'il est en train de faire. Poyai. Donc, on a versé le tom yam dans sa poêle qui, elle, ici, on va mettre le feu et ça va rester chaud. Et on pourra réchauffer les choses. Voilà, donc là, ça va être rigolo après. Tu vas voir. Je parle à Hélène. Hélène, elle se régale. Elle voit le petit clown d'Eric. Après, je crois qu'on va aller boire une bière avant de rentrer. Ah, c'est... Très chaud. Ah ouais. Ah oui, il fait chaud en plus ici. Ouais. Alors, je disais, là, regarde, le tom yam, hein, talé, donc talé de la mer, hein, il y a quand même du porc dedans. Donc, c'est mélangé. C'est... Moi, j'appelle ça le tom yam royal, hein, comme le couscous royal. Et là, voilà. Je sais que ça vous donne faim, les amis, je le sais. Mais vous avez déjeuné comme la tante. Voilà. Moi, je vous dis, je suis vraiment le top. Alors, c'est le départ du tom yam que j'attends, moi. Parce qu'il va partir en bateau. C'est ça que j'attends. Et Léo, il attend ça, regarde-le, il est près du bateau, là-bas. Il était même assis sur le bateau. Eh oui, mais il va avec Opoya. Donc ça, c'est le père, la fille. Elle travaille bien. Alors, viens voir. Les œufs. C'est comme un nid, alors. Non, mais c'est très, très bon. C'est très, très bon. C'est de la gélatine. Hein. Ça devient des gélatines. Bon, il faut savoir le faire. Pissao, hein? Hein? Pissao, hein? Non, non, ce n'est pas des œufs de canne, ce sont des œufs de poule.
mais spécial, spécial Isan, que je coule l'eau. Hein? Tu vas voir comment elle va les couper. Et alors, c'est une salade. Allez, ouf. ทำไมไม่บอกไหมคะจะได้เตรียมร้านสวยๆอ่ะช่างอะไรคะพนักงานเซอร์วิสช่างพี่ปุ้ยหันขาเลยหันขาเลยค่ะโอ้บิ๊กฟามิลี่กองครัวสั่งกินสักชุดไหมคะดูดูฝรั่งดูดูซามีฮะบัว On va accompagner le papa. Donc c'est vrai que la cuisine, il faut que ça bouge. Il faut que ça bouge parce qu'on ne fait pas attendre les clients. Regardez les dernières images, mes amis. Donc ici, oui, à Nissan, on a des poules qui pondent des œufs rouges. Oui. Donc, on coupe les calamars, mais c'est joli là-bas. La citronnelle, bien entendu, ici. Voilà. Il fait chaud. Il fait chaud. Alors, c'est vrai que c'est la famille, hein. Ça se voit, hein. Elle se ressemble. Pisao, Lansao, hein. Voilà. Mais aussi, ils peuvent se faire aider par les autres cuisinières qui sont à côté. Quand il y en a une qui a la bourre, voilà, c'est voilà. อันนี้ฝรั่งหรือไทยไทยหรือฝรั่งเหรอเม้นนั่นพ่อนี่พี่พาร้านนี่ของไหนพี่พามาแล้วนี่ค่ะตรงนี้ลาดูตามงานอันนี้เฟซบุ๊กไลฟ์เร็วๆคนดูเยอะไหมคะเร็วๆไปดูต้นละซับพ่อใหญ่พ่อใหญ่ใจดีกินข้าวบ้านพ่อใหญ่ดี น้ำพริกอย่างเออไข่ยำregardez comment c'est bien salé regardez voilà alors pour Yai c'est lui qui va vous amener sur le planton là-bas avec le bateau allez On y va. Doudou, doudou pour Yai. Où il va. Va avec pour Yai au bout. Attends, beaucoup, attends. Pour Yai, non, après toi, doudou. Chacha, viens. Nini, c'est en haut. Chacha. Pour Yai Pou. C'est bien, Ah, pas du tout. N'est-ce pas? Va doucement, hein? Voilà. Allez, va dedans. Allez, va dedans. Voilà. Pousse-toi. Voilà. Et on va amener à manger justement aux gens qui sont là-bas. Bon, il y a quelqu'un qui réceptionne bien sûr le plateau qui est sur place là-bas, qui va récupérer le plateau, qui va redonner le plateau vide et ainsi de suite. Il va faire ça. Et c'est ça la Thaïlande. C'est ce que j'aime moi ici. C'est être simple, c'est être
Moi, les choses comme ça, ça me fait vraiment frémir et j'oublierai de vivre même tellement. Voilà. C'est vraiment avec le cœur. J'adore. Hein, elle vous le dira. Elle va vous le dire, Hélène. Elle va vous le dire. Voilà. Toi, Hélène, ce que tu as vu aujourd'hui, là, l'histoire du bateau qui, avec Léo, tu vois, ils ne se connaissent pas, mais bon, c'est comme s'ils se connaissaient, t'as vu? Cette vie-là simple que tu vois et que tu as déjà vue, hein, c'est une vraie vie. C'est la vraie vie. C'est la vraie vie. Simple, ils sont là, à céder. Il n'y a pas de... Oui. Ah. Et lui, regarde les poissons. Et ouais. Et même dans la poêle. Voilà, voilà. C'est dans la poêle. Donc, tout ça pour vous dire, voilà, en quelques mots, elle n'a pas besoin de raconter... Hein, tu n'as pas besoin de raconter pas mal d'histoires, ça ne sert à rien. Moi, je parle de... Exactement. Elle vous l'a dit, elle vous l'a dit. C'est pour ça que je vous fais autant de live. C'est pas que pour que vous venez ici à Nissan, parce que non, mais c'est pour vous dire... Si, si, il faut venir ici aussi. Oui, 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 ah, c'est vrai, parce que on tombe amoureux hein, de ces trucs-là. Hein. Oui, tu viens une fois, tu reviens toujours. Mais c'est vrai que moi, ça me fait plaisir de vous montrer ça, c'est ça. J'ai cette passion-là et franchement, je la garderai. Regardez, quand je vois mon fils là, voilà, avec un poyaï qui pousse le bateau, voilà, on va aller le voir. Voilà, ça sera les dernières images parce qu'il va falloir partir parce que nous, on a soif. Hey. Hey. Allez, Boubou, viens. Poyaï, tout le monde, tout le monde. ดีมากดีมากขอบคุณครับพ่อใหญ่เอาไปไม่เป็นไรจะไปอีกเอาไปเล่นเล่นอะไรกับพ่อใหญ่โอเคฮะเล่นน้ำไหมเล่นน้ำอ่ะดูดูพ่อใหญ่พี่คีบเรื่องสายนี่เล่นนี่เลยป้าป้าหนูเล่นไม่เป็นไรไปเกิดแม่ใหญ่ไม่เป็นไรลาดูดูวัดดูดูวัดแต่หลวงพ่อดูดูหลวงพ่อไม่เป็นไรไปเที่ยวไปดูพ่อใหญ่ไม่เป็นไรVoilà un peu. Hélène travaillait à Champion, c'est pour ça que j'appelle Champion, à la station à essence Champion. Eh oui, regardez, vous allez reconnaître son sourire. C'est ma tante qui me dit, mais elle est où? Peut-être elle te reconnaît. Donc c'est celle qui était à la station pendant 4 ans. Voilà, qui connaît Sandrine, bien entendu, qui connaît toute l'équipe. Et voilà. Mais maintenant, elle vit avec son. Mais non, l'artiste. Voilà, c'était l'artiste. Ça, vous le savez. Il y a les stars qui viennent. Donc, j'allais dire une chose aussi. Maintenant, elle vit à Lyon avec son mari qui est ici, qui s'appelle Jérôme, qui est vraiment un homme exceptionnel, gentil, extraordinaire, consensueux. J'ai vu papa, ça. Coucou maman. Oui, mais c'est comme ça, c'est comme ça. Je le dis quand. Je dis pas de bêtises, c'est la vérité. Consensueux, tu sais pourquoi? Pour. Voilà ce que tiens, on a déballé hier, très gentil avec Hélène, et ça vaut plus long. Ça vaut, voilà, j'ai plus de mots. Je vois qu'il est très gentil dès la première fois, puis je te sens heureuse avec lui, et bravo à vous deux. Voilà, papa, c'était pareil, et ouais, il a vu, il est tombé amoureux. Voilà, donc c'est pour ça, non, franchement, vous êtes un super couple. Et restez comme ça, de toute façon, à Nissan, c'est chez vous aussi, vous venez quand vous voulez. Voilà. J'ai pas de mots. Voilà, moi, ça, je pars vraiment avec le cœur, et le cœur, des fois, ben, il est un peu sensible, et c'est cette sensibilité qui fait que je suis Eric Thailand. Voilà. Bon, le petit loulou, tu sais quoi? Ben, nous, on a envie de boire une bière. On a envie de boire deux bières. On a envie de boire trois bières. Tu veux payer une bière, Boubou? Eh oui, paye la bière. Eh bien, on y va. Allez, je vous fais de gros bisous. À très bientôt. Nous, on va boire. Vous avez pu le comprendre qu'on a soif. On a soif. Donc, on va s'arrêter dans un petit bouig-bouig qui nous plaira. Oui, c'est les bouig. Ils s'appellent bouig-bouig. On pourra vous faire une petite photo aussi. Les plantons, les bouig-bouig. Il y a d'autres quoi encore. Métal. Métallique. Voilà, la soirée métallique. Ça, c'est bientôt. Et voilà, tout ça. Allez, on va boire la bière parce qu'on a vraiment soif. On vous fera un petit clin d'œil. On vous fera une petite photo pour vous montrer un peu ce que ça fait avec Eric Thailand de partir à l'aventure comme ça
Et regardez, venez avec Kerry Thailand, venez découvrir tout ça, tout ça, tout ça. Si, Valérie, j'ai soif. J'ai soif, j'ai très soif. Mais j'ai soif aussi pas que de bière. J'ai soif aussi de sensations fortes. J'ai soif aussi de tendresse. J'ai soif aussi des sourires thaïlandais et thaïlandaises comme là. Vous voyez le sourire, yim yim, voilà. Vous pouvez craquer, vous pouvez énormément craquer. Comme pour Kappa. C'est quoi? Petit yao. Someone. Allez, les dernières images, bien entendu, pour mieux. Voilà, exactement. La publicité, bien sûr, je la fais. Oh là 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 là. Serp. Ah, toi là, Yanni. Ah, dis. Regarde. Voilà la salade. Eh oui, voilà la salade. Ça, c'est excellent. Excellent. Regarde, prends la photo. Ah là, il faut pas dans la photo. Non, franchement, là, il y a rien à dire. Voilà. Il n'y a rien à dire. Je mangerai pas peut-être. Ah là. On sait où on va manger la prochaine fois. Puis ils sont vraiment sympas. C'est ça que je vous dis ici avec Kerry Thailand. C'est comme ça. C'est vrai que vous entendez beaucoup Eric Thailand. Oui, parce qu'avec Kerry Thailand, vous avez toutes ces belles choses. Et ces bonnes choses. Allez, on part la voiture. Et nous, on va partir. Bye. Mais pas la prima. Ah, bye. Chaudi, tamandi. Le dernier sourire, les dernières images, c'est obligé, c'est elle, parce qu'elle adore, c'est une maman, elle a deux enfants, elle travaille toute seule ici, elle a deux petits-enfants. Ayo. Voilà. Samineng. Youson. Voilà, dis maman. Et tout quand yim, dis maman. Comme pour qu'elle soit les cas. C'est ça, on est petit. Doudou de Sida, ce soit maman. Allez, Kinkao dit Aroy. C'est ça, la Thaïlande. Allez, je le dis plus. Ma cousine me dit, t'as pas soif? Si. Mais là, vous allez voir. Donc, ici, ce sont le parking pour mettre les voitures. Là-bas, nous avons les toilettes. Et tout le long, là-bas, c'est comme ça. Bon, moi, je viendrai ici parce que maintenant, je sais, je connais. Et venez avec moi. Valérie, il est super ton cousin.